Alors Luc, quelle est ta réponse ? Ma réponse ? Ah, oui. Bien, c'est un secret. Je ne vous le dirai pas. Non, je déconne. La chose qui meurt, dès qu'on le partage, c'est un secret. Mais ça peut aussi être un humain. Si on le coupe et qu'on le partage, eh ben... Ah, laisse tomber, Luc. Ah, nous voici arrivés devant le café. Mais où est Zapony ? Zapony ! Aussi ! Mais vous allez arrêter ! Bonjour, Zapony. Salut ! Bonjour, je peux vous aider ? Nous recherchons les anciens amis du baron ! Les amis du baron, vous dites ? Eh bien, j'ai eu le plaisir de rencontrer le baron plusieurs fois. Non, mais c'est pas vrai ! Me dites pas que vous êtes un de ses amis ! Moi ! Oh, pas du tout. Peut-être pouvez-vous nous donner le nom d'un ami du baron ? Je connais peut-être quelqu'un qui... Non, attendez. Oubliez ça, à moins que... Non, je dois y réfléchir. 42 ? Non. Ou peut-être que... Non. Peut-être que... Professeur ? Oui, Luc ? J'ai l'impression que Zapony est loin d'être notre meilleur informateur. En effet, Luc, il nous a pas aidé du tout. Nous savons que cet ami du baron est un résident de Saint-Misère. Nous finirons bien par le trouver. Il va falloir interroger tous les villageois. Regardez, professeur ! Il y a un panneau qui nous indique qu'il y a un marché ! Et là, professeur ! C'est le panneau qui indique les waterproofs ! Luc, les water, tu veux dire ? Oui, proofs ! Parce qu'une fois qu'on est dans les water, eh ben, ça fait proofs ! Ouais. Allons-y, Luc. Regardez, professeur ! Il y a un marchand ! Déjà des clients à cette heure ? Bonjour, je peux vous aider ? Oh mon dieu, un pirate ! Non, je suis le capitaine suisse ! Mais enlève ça, Luc ! Non ! Bon bah, puisque c'est comme ça, je vais te l'enlever, moi ! Non ! Oh mon dieu, un pervers ! Ah, au secours, au secours ! Arrête de bouger ! Ah, voilà ! Bonjour, monsieur ! Bonjour. Nos saucisses sont en promotion aujourd'hui. Et votre babette ? Ah non, ça c'est votre mère ! Ah, non, oui. Et votre bavette ? Il en fait baver plus d'un. C'était nul à chier. Désolé de vous décevoir, mais nous ne sommes pas venus acheter quoi que ce soit. Dommage. Moi qui pensais pouvoir vous tenter, vous êtes sûr de ne pas avoir faim ? Sans déconner, quand je vois la merde que vous vendez, je suis désolé, mais ça ne donne pas faim. Vous savez, nos saucisses viennent de Suisse. J'achète ! Hop là ! Eh, mais mon porte-monnaie ? C'est combien la demi-soixantaine de saucisses ? Disons 35 livres. C'est du vol ! 75 livres, pas plus ! Non, 35 livres. Et en plus, je vous mets la femme avec. Hey ! Non ! Bon, d'accord, j'enlève la femme. Et je vous mets un sandwich jambon beurre. Mais... Et ce magnifique vase, c'est un type bizarre qui me l'a donné. Mais... vendu ! Oh, Luc ! Tu as totalement vidé mon porte-monnaie pour des saucisses, un vase et un sandwich. Que voulez-vous ? C'est l'inflammation ! L'inflation ! Et ça fait mal au... Oui, ça va, Luc, j'ai compris. Bon, sinon... Qu'est-ce que vous faites là ? C'est la première fois que je vous vois. Vous faites du tourisme ? Oui, c'est tout à fait ça. Ça se voit à votre tête. Ah bon ? Un seul conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas aller vers la tour. On dit que quelqu'un de bizarre est arrivé. Il faut être sacrément tarabiscoté dans sa tête pour vivre là-dedans. Tarabiscoté ? Oui, ça veut dire qu'on sait pas ce qu'on fait. Tiens, ça me fait penser à une énigme. Énigme 35. Absurde. Quand on l'achète, on s'en sert pas. Et quand on s'en sert, on ne le sait pas. Qu'est-ce ? Eh bien, je dirais... Un cercueil ? Ah mais oui ! Bien vu. Bref, nous allons devoir vous laisser, monsieur. Au revoir. Attendez. J'ai aussi un petit veau. Et le prix vaut vraiment le coup. Au moins, on a des saucisses suisses pour ce midi. J'ai aussi le cibet. Non ! Si j'ai bien compris, il n'y a plus rien. Va te faire foutre avec tes plaques carottes par ce côté ! Luc, attention, il y a un papier devant toi ! Ça va, Luc ? Tu t'es pas fait mal ? Non, ça va. Je suis un Suisse invincible ! Fais voir ce papier. C'est un journal ! Mais on dirait de Lilien ! Non, Luc, là tu le tiens à l'envers. Ah, d'accord. C'est un article de presse sur un inspecteur de police. Un certain... Ah bah putain ! Ah oui, ça doit pas être facile à porter comme nom, ça. Non, je veux dire... C'est chez lui en première page. Ah ? Ouais, même qu'il est marqué « Détective surdoué et Marie Monel, portrait de l'inspecteur Chemly ». Genre, ça nous intéresse, quoi. Chemly adore les beignets à la confiture de Nutella préparée par sa femme.
C'est ma petite faiblesse, Didi. Haha, je connais son point faible maintenant. Luc, je ne pense pas que cela va nous servir à grand chose. Moi, je pense bien le contraire, professeur. Attendez. Dans l'épisode 16, il a engueulé Mathieu comme du poisson pas frais. Viens me le dire ici qu'il est pas frais. Tout ça parce qu'il n'aimait pas les pâtisseries. Luc, je pense avoir découvert quelque chose. Oui, moi aussi. J'aime les schizophrènes. Et puis, il n'y a qu'un schizophrène pour avoir une moustache de panini comme ça. Excusez-moi, vous parlez de schizophrénie? Oui. Ah, ça me fait penser à mon vieil ami décédé. Bizarre comme nom. Le baron Reynold, il faisait quelquefois de la schizophrénie paranoïde. Il avait peur des gens comme vous. Comme nous? Il a un problème avec les gens de petite taille. Quel enfoiré! Ah mais je suis désolé, Luc, hein. Il n'y a que toi qui es de petite taille ici. Avec tout le respect que je ne vous dois pas, professeur, je vous emmerde! Oui, Augustus avait peur de ceux qui veulent lui voler son or. Il a peur de sa femme? Hein? Oui, en effet, c'est sa femme qui nous a engagés pour retrouver la Côte d'Or. Monsieur? Au cul. Archi mal au cul. Excusez-le. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Luc, s'il te plaît, va donc t'occuper là-bas. Oh non, ça me fait trop mal au cul. Alors, vous étiez un ami du baron Augustus Reynold? Oui. Peut-être êtes-vous la personne que nous cherchons. Le baron a laissé un message important à cette personne. Eh bien, votre enquête semble bien complexe, mon petit, hein. Mais oui, je suis cette personne, donc... Par contre, Gus ne m'a jamais remis de lettre ou autre message important. Je n'ai qu'un bout de papier qu'il m'avait donné. Il contient peut-être un indice qui pourra vous aider, hein. Attendez, je crois que je l'ai dans mon bureau. Peut-on voir ce papier? Eh bien sûr, mais il se fait quelle heure, là? 12h85! Ah oui, quand même, mais suivez-moi. D'accord, on vous colle au cul. Je vous invite à manger, si vous voulez, hein. Eh bien, c'est avec plaisir, monsieur. Hein? Professeur, vous aviez dit qu'on ferait des knackis. Alors, on les fait au four ou au cul? De toute façon, je peux pas venir, je suis occupé. Ah, mais qu'ai-je fait pour tomber sur un apprenti pareil? Ben, vous avez tué mes parents. Alors qu'ils voulaient me faire un petit frère, en plus. Tiens, cela me fait penser à une énigme. Énigme 36. Question de vertu. Quand j'écarte les yeux, j'écarte aussi les jambes. Mais je coupe court à toute avance. Qui suis-je? La baronne? Ça s'appelle un coq. Luc! Oh non, Luc, tu as totalement vidé mon porte-monnaie! Pour un putain de coq qui va servir de civet!